reborn. Heroes reborn. Ha! Huh? Ay, ay, ay. Ça, c'est de la blague ou quoi? Un homme était attrapé avec sa voiture qui contenait des têtes humaines. Quoi, sérieux? Ça, c'est tout du ouf. Qu'est-ce qu'il va se faire avec ça? Où va-t-il? Où allait-il avec? Vraiment, l'homme est méchant. L'homme est méchant. Pour de l'argent, les gens sont prêts à tout. Hein? Mais l'être humain donne de la viande. De la viande. Alors, voit ça. Âme sensible. Faites vous en abstenir. Prenez votre natia sur vous. Sérieux? Regardez ça! Regardez ça! Tout se passe ici, sur le camp! C'est tout hors du commun, hein? Si vous n'avez pas vu ça, si ça n'avait pas été filmé vraiment, ce serait difficile pour beaucoup de personnes de croire être juste, quoi. C'est pas de la blague, c'est pas facile à croire. Mais regardez, les gens sont là. Parce qu'ils ont arrêté le véhicule. Et dans le véhicule, ils ont découvert deux têtes. Hein? Hein? Et vous voyez ça à quoi ça ressemble? Je vais attraper quelqu'un ici, oh, je vais attraper quelqu'un ici, je vais attraper quelqu'un ici. Tout ça pour de l'argent. Et il y a le monde. Et ils ont fait pour le rituel de la richesse. Allez, monsieur, allez, regardez. Monsieur, déjà avec cette tête-là. Regardez. Qu'est-ce qu'il va dire pour se défendre? Ah! Attends. Tous les gens dans ce monde-là qui font le commerce et tête. Tête de l'homme. T'as des chats qui a vu, tu n'as pas pris. T'as de poulet, tu as vu, tu n'as pas pris. Tu dis ça te plaît pas, tu manges pas tête de poulet. Mais là, c'est tête de l'homme, tu manges. Hein? Hein? Tiens, regarde-toi ta tête. Un truc de ouf se passe ici. Un truc de ouf se passe ici. Waouh! Tu as deux personnes enlevées la tête. Ils se baladaient dans tout le pays avec cela. Mais comme Dieu ne doit pas, aujourd'hui, on attrape le voleur de tête. Qu'est-ce qu'il va dire pour se défendre? Qu'est-ce qu'il va dire? Contrôle routier. Enfin, le contrôle de coups, tête de l'homme dedans, dans la voiture. Qu'est-ce qu'il va dire pour se défendre? Vraiment, ce monde-là, c'est un monde terrible. C'est vraiment un monde terrible, quoi. Vous êtes tranquillement chez vous, hein, alors qu'ils sont découpés des têtes déjà là-bas. Ce monde est un monde terrible. Vous êtes témoigné du bon gabin, hein, alors qu'ils ont dû faire du mal à quelqu'un là-bas. Ce monde, c'est un monde grave. Oh! Ouais. Ça là, mais quand tu regardes le caméra, tu sens que il a l'habitude de faire ça. Regarde. Regarde son visage. Tête de porc, tu n'as pas vu, hein. Tête de l'homme, toi, tu connais. Et les gens se disent, oh, il a fait juste ça pour aller faire les rituels d'argent. Oui, c'est ça, pour les rituels d'argent. C'est pourquoi il allait faire ça.
avec les réseaux sociaux, nous avons l'opportunité de voir tout ça. Et tu parles. Et tu parles. Qu'est-ce que tu vas dire pour te défendre? Qu'est-ce que tu vas dire pour te défendre? Parfois, je ne comprends pas certaines personnes. Non. Je n'arrive pas à comprendre. Vous attrapez un voleur la main dans la sauce. Vous lui dites, mais qu'est-ce que tu as dit de faire de la sauce? Et vous dites, oh, je suis en train de caresser le poisson. Quoi, sérieux? Vous l'attrapez la main dans la sauce. Vous dites, mais attends, mais tu voles? Tu vois, tu es en train de voler là. Je ne suis pas en train de voler. Je suis juste en train de contrôler le poisson, contrôler l'homme. Voici tout au complet. Hein? Et le monsieur essaie de dire quelque chose pour qu'on puisse le croire, quoi. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un à qui on doit faire confiance? Si vous voulez regarder à l'apparence des gens, vous allez vous tomber à 100%. Aujourd'hui, même les filles les plus belles de la planète sont devenues dangereuses. Je pense qu'on a fait une vidéo qui parle de ça. Une fille qui a tué un homme, c'est un coup de couteau sur le cou. Ah, Seigneur. Je prie que ces jeunes choses s'éloignent de vous, mes frères. Moi, je fais peur. Que Dieu délivre son peuple. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous donne la force de vous défendre aussi. Dans toute situation. Ouais. Ouais. Seigneur, mon Dieu. Tout ça pourquoi? For money. Tout ça pourquoi? For money. Pour de l'argent. Le rituel d'argent, pour avoir combien? Combien vont avoir dans ça? Combien? 200 millions d'euros? Ou bien, combien? Mon frère, ça ne vaut pas la peine. Ma soeur, ça ne vaut pas la peine. Si tu travailles que ton petit jeton, contente-toi de cela. C'est mieux. Et marche bien. Tu auras une grande récompense au ciel. C'est la seule condition. Si tu es sur le chemin de la facilité, tu vas te retrouver en enfer avec le diable avant de danser le babouka. Est-ce que vous connaissez quoi le babouka? Bon, je ne vais pas traduire, je ne vais pas vous donner la définition. Ceux qui ne connaissent pas, n'allez pas chercher. Hey! Affaire sur mon lit de serpent. Regardez bien. All right.
Waouh, c'était extraordinaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon papier, vraiment manquer, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouve toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez propres au Seigneur. C'est parti.